streets till they knee deep. Gotta stay woke, can't be sleep. All this fly shit don't be. Dans quelques instants, un combat poids lourd léger entre Ronaldo Jacare Souza et The Axe Murderer Wanderlei Silva. Ronaldo Souza, Wanderlei Silva. Dans ce genre de situation, où les styles sont si radicalement opposés, c'est un poids qui fera la première erreur. Une frappe lourde bien placée peut mettre fin au combat, mais si elle est contrée, cela peut se solder par une soumission inattendue. Superbe low kick par Silva. Il a sorti tout son arsenal de frappe. Et il bloque parfaitement cette frappe. Place à un high kick. Il percute dévastateur. Ce low kick a dû faire mal. Le gauche, c'est raté. Et l'uppercut violent. Il le touche avec son jab. Oh là là, on ne peut plus les arrêter. Ce qui passe. Puissant direct. Méchant jeu. Oula, ça doit faire mal. Ah, ça joue saigne. Et une bonne garde qui lui permet d'éviter les dégâts. Et belle anticipation en défense. Il est plutôt attentif de ce côté-là. Et encore une en pleine tête. C'est à côté. Crochet bien bloqué par Souza. Superbe enchaînement. Ça tombe de tous les côtés. Côté. Là, puissant coup de pied au corps. Silva envoie une droite dans le vent. Et ce coup de pied à la jambe, bien employé. Oui, il montre à son adversaire que ce ne sera pas facile de s'approcher. Le message est passé. Oh, il est dépassé. Jacare Souza est un vrai technicien en boxe. Regardez ce travail. Oh, pas passé loin. Oh, quelle technique! Coup de pied à la tête. Ça connecte. C'est un beau coup qui envoie son adversaire au sol. Il a l'air mal en point. Il le touche. Un coup de poing par Silva. Incroyable échange entre nos deux combattants. Souza voit son coup de pied paré. Superbe takedown par Souza. On revoit la chute. Allez, c'est reparti. C'est parfaitement bloqué. Il esquive ce coup de poing. Ne tenez plus, c'est effrayant. Essaie de placer ce gauche. Silva avec des low kicks violents qui viennent claquer sur la jambe de son adversaire. Et ce coup de genou qui arrive encore. Exact, il a parfaitement utilisé la faible distance avec son adversaire pour s'en servir. Silva, oh, il est tombé. Il est debout. À la tête.
bonne garde haute. Et ça va continuer au sol. Ils se relèvent tous les deux. Ah le voilà, le premier takedown réussi. Je sais pas combien il en a déjà tenté, mais ça devrait lui faire du bien pour la suite du combat. Il encaisse sur le kick. Au tapis à nouveau. Énorme kick à la tête. Il se relève à nouveau. Il l'a touché. Et le combat va continuer au sol. Incroyable, c'est pas fini. Et ce coup à la tête ne passe pas. Et ça bouge. Wow, c'est terminé. Son adversaire n'a même pas dû se rendre compte que le combat était fini. Quelle frappe!